Mwangalizi wanzani chao ngamridunga oze nyakati wizo wizo ngamridunga o harmaye seda en koma dunia nuz uja zihabari zaikoni na moroni na zidamba wa kaosu usharikiana usiku wa leo juma Zilamba wa matangazo ikawo subari Chupa tana haku osikwa leo juma Juma iwaza o tarehi Tanu mwezi wa juye mahazizi liwe shirona Garjunda o harma o mjimtukufu wa Mjimtukufu wa Mfumbuni Ili rijeri nunge omtamilwa shirasu Omtamilwa shirasu mahele parela la baina hangu hangu Uja ke mbaji Bal Raisi wa daula hasa Hende na unjia o shuanzani Shanga mjokana Lefijo Gilo hawinji hawinji Yabonge Wakomor Yekoma dunia nuz Yekoma dunia nuz Ngarimbushiri ya oni khairi na baraka Unono na afya Zinu zieneye haruma ye miji Zieneye Nijibiwa suwaga sija Yeni harma misi kama ng'e kama nao eheli kao yeye mawaziri wanyumeni kamtori swami manaruma biya lukana kabofijo hakuaku kama ng'e kama nao yeye mawaziri wanyumeni kao ndo wakansi harma guvernoma ya nyumeni ya alalama asali asumani ikao mawaziri tawa opi kwa watanganya ni mawaziri wa zamani direktori wa ho mwenje tawanunga uba yabonge usiku wa leo kunu usiku mashuhuri usiku ukana ngaruo nao yensi hatu yobasa uha ngaruo nao yensi hatu yobasa uha madama ni mabare heli ya tsamia ho haruma yensi ni mwambi ya nukana ngasi haruma omtsamilwa kirasmi omtsamilwa kirasmi wa hele pare na larangu hambu uendelea ye mbajini Yabonge hamande likao rimnika nizo. Usiku wa leo unusiku wa khairi, unusiku wa baraka, usiku wa ukana ya maendeleo ya hensi zinda zilekao suzi shemezi za ukana ngaranzao ya maendeleo ya hensi ya mabareanu ya tamie. Banda ye lepare la mbajini ni samilwa Yabonge ngarombao jala waiza Emiji ya baki, emiji ya baki Ili ya samie Koliho ngasibanu Heze jema zahenzi Wala marabame Yabonge ngamonao Mawaziri Mawaziri Wanyumeni ikao Wajo andelea Yerele Yemaha Yendelea o ijao Wakomor umridunga o harma ya sadaen Komor dunia nuz Wajau ngamridunga o harma Ezeabari zaikoni na moroni Na zilamba wa ikao susharikiana haku Karna uhansi umambiani ya mafada Karna uhansi umambiani ukana angarjumura o Harma omjimtukufu wa fumbuni Omtamili wa kirasi wa hele fare Lala rangu ye hambu bali nifije Ujilia ye mbajini Warjumura o harma omjimtukufu wa fumbuni Karone samba vile tengwe heli kao Sama mkazi Karone samba vile heli kao le tengwe Iwasili wiji Ini wajiwa shangirie Senjema za heyensi Sili mwambia nukana Koma dunia nuz Si wanru wa ukana ngarjom nikani Zila wa o harma upande Umeni Nupande usheni Afasili ya ukana Heni njema
Heni njema ikao ngazi la yao harmayensi lazima rishionesize rizishukurie rizifereshe jheli kao ekanga bosto kristo enda si usione sahauraji abonge tofauti na wasaya uka ujo wami ya uzima ye kama dunia nuzu tinde helilo bali na zilamba waika osu sharikiana abonge njema manezi nkao yanda ala maendeleo yansi ikao ngai hutajiwa hakuwa ku nondo mtsamilo hezenzi ya mtsamilo helele zezepare abongeri mwambia nikao siku leo ngasi ana kwa ana harma omji mtukufu wafumuni ili rije hariki hadiri nondo mtsamilo domtsamilo kirasmi ya hele pare la labai na rangu ya hangu ureje ujilia Karma omji haura mbele babu la hemba jini rangu mfumbuni mahala ikao ngari jihundao yabonge wa Komor na Islam namke juma uridunga ana kwa ana nji abone haku harma Komor duniani namji abone haku harma Komor duniani mana heni za laia harma yenzi Lazima ungarjo mchanuzo na mazaheri raza shari kao kartusho mbea ejora heri ya rereye ejora shari na ke ule ya rike hambali uli honga mbe yao zezema siwaru wa ukana rike harmaze jema maraba menji Amada Musa ena roho jema enga sitane majini nane komori wa msituwa Amada Musa hawawa simira Hamada Musa, Hamada Subira. Evangé, Subira, Hamada Musa, Yamando. Ouandou Aviro, Hamada Musa, Yenam Sivu, Yahato Subiri, Mahamfu Kare, Kanam Shida, Subiri, Tihusheda, Kujoshida, Subiri. Evangé, Hamada Musa, Marhada, Isor, Nedea, Suambajini, Marhada. Kweswa, Tukuf, Nasinawana, Wanaba Vulirupia, Karnam Jamdiwaza. Et voici le zaman, il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de coordination, il y a un peu de temps, 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 Marhaba, Darbushiriao, Bahatijema, Nazinjema, et gouvernement Yanumani, Kao, Indianziani, Darjuao, Kao, Timmy Fahemajini, Nantine Bajini Adjou, Yatendela, le directeur Maratou Junaïd, Yohan, Timmy Fahemajini, Yawan, Yatendela, Neptukouf, Zewahatou Belu, Yohan, Yohuji, Wahemajini, et Makatri Hemajini, Ranzi, conseiller Wahatou. Rimambi yani hata ihafla ijonjia yani kabisa garjo nesa litengwe elikao nisa litanganya harma ishwanza shinu wora mambi yani mkana garji hunda o harma mzi mtukufu wa funguni bel do huja ri ke hashiri rike hadhiri no do samlwa Samira qui rasmi, Yahele Pare, Lala Yarangue, Hamu, Belem Suja, Ujibia, Mbajini, Harangunda, Hunu, Fumbuni, Yavange, Wakomor, Wakomor, Banda, Yefati, Hang, et Dono, Vera, Yababaha, Garjo Kanti, Ili, Ri, Ishili, et Discord, Mbel Nambel, Aurunga, Anna for Anna, Helikao. Yeshughuli inaendelea na ndo mtsamilo kirasmi le pare la la ya rangu ya mbubel mtuje kujilia harma ya mbajini bali ndo mji mtukufu wa fumbuni na mwenge usiku leo ya CDN comment dunia nous heri na baraka unono na afya bismillahirrahmanirrahim kwezi excellence monsieur Azali Asmani Président de l'Union des Comores, chef de l'État et chef suprême des armées, Excellente Madame la Première Dame, Madame Ambari Darwish Azali, Excellence, Monsieur le Président de la Cour suprême,
honorable monsieur Moustadaran Abdou, président de l'Assemblée nationale. Excellences, messieurs et madame, les membres du gouvernement entrant, avec monsieur le ministre premier, docteur Seydan Ali Aboubakar, ministre de l'énergie, de l'eau et des hydrocarbures, mesdames et messieurs les ministres sortants, honorable monsieur, excellence, monsieur Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement, honorable messieurs et madame les députés, excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales accréditées à l'Union des Comores, messieurs les secrétaires généraux et directeurs généraux des administrations publiques et des sociétés d'État, mesdames et messieurs, honorable assistance, distingués invités, en voyant titre et grade respecté, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. L'honneur me choix, aujourd'hui et ici maintenant, de diriger cette cérémonie préparée sous la vision de notre grand frère Mohamed Youssouf Ali Alias Bebou, directeur de cabinet du président de l'Union des Comores chargé de la défense, en collaboration avec monsieur le ministre Ahmad Moussa Abiy, Ibrahim Mohamed Abdourazak, Mirwadi Abdou Idanous, et messieurs les directeurs généraux Ahmed Jaafar, Mohamed Salim Junaid et Salim, en toute collaboration avec la notabilité de la région de Bajini, sous la direction de monsieur le grand notable Zemunia Dawa, excellence, monsieur le président de la République, avec votre invité de marbre, son excellence docteur Akinwumi Adesina, nous sommes ici réunis en ce lieu, auparavant place Feu Madimini, qui marque aujourd'hui la bonne collaboration existante entre la diaspora de Fumbuni et la population de cette ville très accueillante de Fumbuni, chef-lieu de Madimi, qui est financée à hauteur de 150 millions de francs comoriens par la diaspora et la ville de Fumbuni. Pour cette occasion de l'inauguration de la route reliant la capitale des Comores, Moroni, et le sud de l'île à Fumbuni, aujourd'hui, nous allons maintenant présenter le programme de la cérémonie qui va se dérouler comme suit. Un fatha a été donné déjà. Il y aura la lecture de versets du Saint-Coran par Mohamed Ahmed Souali, un mot du grand notable M. Mouni Abdallah, le mot de bienvenue par le gouverneur M. Mohamed Ibrahim Mzé, sera suivi par le discours de M. le ministre Afretan Youssoufa, et puis le discours de notre invité d'honneur, M. le docteur Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement. Et puis enfin, nous procéderons à écouter religieusement le discours de son excellence, M. Azali Assoumani, président de l'Union des Comores. Et pour marquer la fin de cette cérémonie, nous allons procéder sous le contrôle de M. le Président de la République, l'ouverture de la route reliant Fumbuni à Moroni par la coupure du ruban. Et je vous remercie, je paierai maintenant
Excusez-moi. Watukufu, otukufu hanyu, mhumu ahe dawla ya Komoro, mhumu ahe jeshi la Komoro, mwishimiwa Azali Asumani, mwishimiwa Bibi Ambari Darwesh, mzaze wa hele toifa la Komoro, mwishimiwa President wa hema kama ya juu ya haki, mwishimiwa mtukufu, Mustadran Abdu, président de l'Assemblée nationale, mawaziri wa nyumbani watendelwa au ikao elisti hawa andisa kema na nyasi Dr. Abubakar Zain Ali, mawaziri pia mlovano, mawakala madepite, maprefe na mamera watukufu manotabu, wazaze watukufu, gari jomtekeleza habasa ye program na sigarjom bara ye mwananyasi Ahmed Mohamed ya jersomeze makara za Qur'ani rombeze dua e jezinze jeze kamwalenza أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
wanawashe watukufu waenda zija nukulia bani nanu wadomala honi warishulia gamumni koneze kweza ya kislamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kwezi sayyidina rais Mbaili ya mjeni, mtukufu, ukaone, ya usaidi ya mapesa, wakafu. Yarimbeshe le marahaba, ambaka agardumbe, haka ardendezema. Saidina rais, umjini mre, Mwe babao, kuna kaza, mafala, na kaukaza nabula saa, uwa staraji. Rinika na miadi yao, nasirawe, kaisha Allah, gardona na funguni, ikena mwori nogire ya zaini. Ujata msuje Mfaina skutala Neso sepe Ayatrepreneri ya kaniyo Ajata Shehu Rubiswara Na kurazi Na kabuli Uono Ema shinua Mwando ala Arme grand shin Warenge Relevi yao Wafanya masihu na msana Atao wasulisha Iparenu Funguni Marahaba Sendu sainu Nile mbezini na alwari mabari Nene kipu ya ahe Ni waziri wa ahe Hainu fumuaka ujaunu Waonezi hazieni zendao Kulibesha marahaba, mbawa zendi sata zwasuli wa salamu. Sayyidina rais, msujwa na meji, msujwa na meji, chondokana, enda, sena, enda haraka, harumai, elmarufu, iti mbarle niwa upasha undabonzi, Unuko shukila si rakabule sikamno nuzihimi leo umyo wasimto lepa mabi amende ilo sinikenda edu mamuziramuwe mzijue amende kwezi kwezi na raisi muna umpe umuri mle Nabiswara njema Namaza hini mema wa ukose yendo Ulezi amane wenu hirunda wa Shahara kaharaka rione Rari jane zaatu Mamu kari mtojibiwa Mbona Mbareni wa sulifuruni Na mwema tuna yona Sambia mwana hangu senu saini Siku ya jaba ala ambao Urambeza ya parenu Sambasha saini waswili Iwaswili Fotograf Wandisa unu Kwenda unu Fotograf Wandisa una uja unu Fotograf Wanutulize roo Akasira ka unu Riono kaseila Sambasa senu saini kaseila Seila Seila Amine leorika ujari wandise Mesole prezida Ruhambe kana tsei ni washini. Habenge lika uja uzadeni o haho. Kubaha uja uzadeni o hatu. Hauka. Harijo uzadeni o haho uka uwa wahu uja. Waho. Kikile uzadeni bauri wajia. Kilesha marahaba. Nanga ijo ukaya. Harumaze roho za hatu.
Pereliao, Nancy, Nancy. Nadia, Manangu, Miguadi, la carita, les gars. Alice, la console, la terre, avant un bébé, un beau visage, un peu de besoin. La famille de Kaya. Un garébé, vous, vous avez un peu de aussi. Bravo. C'est une analyse tarade ou à Genoamo. Kurongoa et Louaya Hao. Avec Gamrongozo, docteur Adesina, président de la banque de la BAD. Loi et ses compagnons qui sont venus ensemble voir la route de Kaye déjà arrivée à Koumoune. Nous vous remercions, docteur, PDG de la BAD. Est-ce que vous avez fait ça à votre ami Azali Afmani, président de Comores, mais vous avez fait ça pour la République et le niveau de Comores. Kazana, Kazana Gumbaba. Docteur, et nous savons que vous allez continuer à nous aider à développer ce pays. Merci beaucoup. Je remercie aussi nos amis chinois. Les efforts qu'ils ont faits sur les travaux de la route. La Chine, c'est la grande Chine. La Chine, il fait quand il veut et quand il veut. Nous connaissons les Chinois. Depuis l'indépendance des Comores, cette grande Chine nous a épaulés. Jusqu'à présent, vous avez fait beaucoup pour nous et aujourd'hui vous allez faire ça pour vous. Je vous remercie beaucoup. Et vous ferez d'autres encore parce que vous resterez toujours au Comores, faire vos encouragements. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Badaralunga, le Kalmashuka, la Hemuse, Doejeleza, Kautiweni Hunu, Gasiwazima, le Mwananyasi, Nur El Fat, Manzishijimla, Wahesirkal, Wakaturu, Garjom Karibisa, le gouverneur. Waelesi wa mzazi langazicha. Ajafanye hutba ya ufereshea o wajeni wa rijushulia. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه. فخامة الرئيس آل عثمان كويسي Bip number Anda, Madame Ambari Azali Darwish,
kwezi rais wa Bank African de Développement donc kwezi rais wa de baraza la mawakala kwezi rais la ile bara wa ile baraza la mahakama kwezi wanachama wa serikali owanjia nyumbeni nano wakaya hapo ikango vani kwezi bwana secrétaire général du gouvernement wanyumbeni nani mwanama Nur El Fadl Azali Asumani kwezi wananyasi mawakala maner maprefe kwezi aborlo majini iluarumwa lejiji na funguni na mkera adhiri humwenda atae mzee wa hatu ikao arbiha tsungulwa ni muwa hei daula yakae muwa hei dara ya hei rais wa hei daula wajau muwa hei divan ya daula na ni muwa tu mbaba Yusuf Ali Muhammad Belu hawomba hivyo za bonlo fumbunite na wajau na mniswa mili funguwe waziri abi au nanga simfunguni nanga simbajini kwezi watukufu na director general ikao domahudhuria bale ma secretaire general ya bote na bolomba jini ma director general ndo karadi njiremele fumu nifungue shimechu wangu junaid nifungue jamfar nano wasa ya walunga walolingoni wajonswami Tewe jitukufu makaimu waho waemba jini makaimu wahenga zija Khaswa tani Limano tablo waheo mju wa funguni kao Watende wa nisimau kuzo ingevani Mwishi yezo ya amba Watukufu wateze Marigeza tengwe Ikao do matengrava nmaja mnawirishe Letengwe linu Mashababi au kafikiri kani ndiye mlowe njivano heze suifa kwezi tewe jitukufu ze suifa zanyu ni ze daraja ekezo kanji ya mbwa nzima shamu mkioni ya avoka amtisa usabasha heze daraja zanyu ni ze suifa zanyu mkubali ni mnike ni salamu ya bebon na mbiya salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kwezi watukufu Simila mbwa ivenza hele zina la ukaya minde muhafidhu hele siwa nangazija. Haukaya niza kafanyiwa zifanyiwa leo zibira mba jini zinu nga zifanyiwa we ngazija. Sha hususu wa nensi ya mba jini nensi ya hambu nensi ya bambao. Msidiwa zekai pare inu wakatraka kukaza lebwelasa ya mjini mde Aboli kaziwa armwensi ya bandao. Shahidungi ya taibire armwe hambu iwasuli mbajini kaujezie armwamji tukufu wafumbuni. Ebengele o tukufu nanikiwa. Abo kamide muhafidhu ele siwa furahade ya ni jilia au kazi nupia zinu leze juhudi zahemu wa hedaula nada za rahamba ukemuwa edau nezo ambao nizofanya ozo ulingana zo ulungana na hengu zifanyo harumwa emasifwa ya hatu yonzi reka ngazija reka nzuwani reka mwadi hengene o kwezi watukufu wabajini yelazmuri medigoni memuwa edau la haukanguro neso ukezo ya hamba hengu zifanyo Maruko wado shindana na wanru watona zohamba, watona kati zohamba, cha watofani.
Yule mani mfinu na mdia ni mkaya. La yastawi lathina yafaluna walathina la yafaluna. Oke kiri, wajibibi se sawa, ni muwaheda ula na ingufanyo. Uo, ungu ambao, na chamfuti mwambi, mwambi wa soda kia wa soda amba, shee muwaheda ula ngurendo, ya wafa atu sirilodi kwa nima muwaheda ula. Rekanda sirilona zezomana, rekanda ni mwakansi ramjo kwa ujamzirenge banda atu. Ya wongazori mhimidiye, na mwandu wanukaya, muwaheda ula atengenzia, leo sila haja wakatirilo nuwa unu endongyo haruma zitendwa na mi leo tundwe fursa tika haruma bunjili yosheso chujambali muwaida ula tida viti tanzi chamtu abokaye tuwa mangi yo inji akwezo neshi ya zadawa anane leshirika ilo vanu awe pangi ilo vanu oima nanya oima nzani mwahensi ya kongoro Dr. Adesina imwananya wa al-imam azanda leo zikabu shahidi shati na mbeza hambu ambazo kachani musu shamjwa mbezo neshia ukaya imwananya ihanze komoro ata yeye rimbrele kaimu kwa jende kaimu komoro amadasi ya wana mjozi joka ukunga bande pari ya funguni na hizo kazi jaja ukari ekomori chochu wa wabiri wenji wabiri wenji nukwa chartao na simu izo wafanya angabu zafanya wambazi fanyiwa nasika chatimu mahamili zimenyeha izo tine za leo lewanu kwa chukodu wanichi isepare izo na wambazi fanyiwa ngaribia zizi wawo shale wa mfutima denu kae to amane kae kwa komoro haukare kane zepare rekanda armuva wa eturist rekanda armale dima garjonde maana ikangu wapenze abora tendelwa nimru ama de zamana wa hatu ama de rais wa hatu ama de mzee wa hatu ama de leader wa hatu al-imam Azali Uthman rielewe ukaya vanu narichirongo ze vatu haukati zezo kaya muendaza haja nifanya sima guvernori mwimilie sha nganzore leo kaya zeparezi mga nzo zangaliwa heni chokufanya kwa mzi chubanu shivamwa yabo gariparuwa usoti pia si wakazi heni mbabale fungula wala ningo tema pine mro risiwame na fase michiatu wanu wanzo wamenyeza alengeziwa waze wa hatu imakai mwa emichi imakai mwa emiraya imadavu narihime risikiri wanu wamada wanu waswaliti waloja wemenya wabari wala sindo waloa inda huwa po waloja wemenya ebenge nganzo vale fufilo like la hatu sisi au kailo tifumbuka joshi deni mala watu wa mapulisi ema pulisi dani kwezi ni wangazija na mimi amjo sana ni sengele ema kai maemiji njeri hajisida sinao ele fufilo wali renge ili wajue ukaheni sofanyi warwa mabavya hatu ingara zizimenyewa ya vuwa la hasara dasi watukufu abjo kata timizi nsi zengewaka timichi haukamono mwengu animeze chuhudi za muwaida ula do ujale o ya hensi mawaziri habadili sirkali hansi mawaziri wanasijana cha wanasijana wasoma walona maarifa yabo itawa tenela leo imiliwa ni mwananyasi simambiani secretary general du gouvernement Nour El Fatou na wanti pia waelewa ukaya wajarengwa shawarengwa waje wasende mwaida ula fanyazi basi kinyume na wala wakaba ukabanizo kweli zomsisi jana wakaure mawaziri wakaya wana wakaure mamsedi na jaba dashaf basi leo wazona zohanda wanzo wate ukaba na wala kejana zimu wa rohe wala zimu wa baki sharu kwa jana zimu henda hodu wa watuwa watona zuhanda shasire elewa anafike mwaja ule elewa kwa wakayamu nuwaja leo omuhimu mzima dohuwa niya ifikra na inuhuoni waemu wajaula
duwane fanya tawado soni alafu dishidata esasawuri wezi watukufu na wezi unakanza nande afikensi ya bajini leunga si bajini na salamu mji utukufu wa fumbuni rija itzamiele pare nana hasanga johenda na dea tulonzi ya niya jufanyiwe kambuwa venter kanemo soti pia itzame mabare nijeri hone ensi ya kiyota sawuha ramzuwani ramwali rangazija amjotimizi awonde ya emuwaeda uladua imwambe ledua mwamnike taufik yuke ni mara johenda ni mara joritashia rishi barikishe batu rimwimilie ata rishinde rwasili obanika ndarkaza nande emergence 2030 ijo tsongeza yensi ya hatu ibasa uwe rilawe harumaze tambu ikawo ijo ngeisha kangasi ya nizu vengeni veshe marahaba wajau emjeni mtukufu wae ikawo kasusa za jitiali leo tido andani ya sedemsin shea leo ikawo jetu uwe miwango ya saya ya uko kwezu watukufu أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا. وكاتيونو غارجون بارا. إيوازيريم زماني وهيلي بولو لاي طايفا. مسيو أفريتان يوسوفا. إيكاو أفانيازي كوليزاهي. هوجوما. أونفانيو إيباريينو. Il y a une route nationale 2. Fallait être fabon. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahda. Wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani. يفقه قولي رب ادخلني مدخل صدقا واخرجني مخرج صدقا واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا اكسلانس ازالي اسماني بريزيدان دي ليون دي كومور اكسلانس مدام لا بريمير دام امباري درويش تريز اونوراب بريزيدان دي لاسامبلي اكسلانس مدام و مسيو لي مامب دو غوفرنمان Excellences, Madame et Monsieur le Gouverneur de Ngazidja en juin et Mouéli, Son Excellence, le Docteur Akeumi Adesina, Président du groupe de la Banque africaine de développement et sa délégation, chers collègues ex-membres du gouvernement, Monsieur l'Ambassadeur de la République populaire de Chine en Union de Comores, Monsieur le représentant du corps diplomatique accrédité en Union de Comores, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les délégués, très honorables, grand notable, monsieur le représentant de la mission de contrôle Lux Consul, monsieur le directeur général de la société CGC, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. De prime abord, je voudrais féliciter le chef de l'État, son excellence Azali Assoumani, lauréat 2024 à Bruxelles du prix de la Fondation Crans Montana. Décerné aux grands acteurs modernes de la paix, de la liberté, de la démocratie et de la dignité humaine. Vous êtes rentré dans la légende, Monsieur le Président. Quelle leçon de vie! Un président respectueux des droits humains, un président à l'écoute de son peuple, un président qui se bat pour la paix, la démocratie, la prospérité et qui gagne toujours. Je saisis également à cette occasion en or pour saluer vos efforts inlassables que vous ne cessez de déployer pour s'assurer de la mise en œuvre des actions phares du plan Comore émergent. Notre pays, grâce à votre guidance, fait mieux que les pays qui nous sont les plus comparables. Votre présence parmi nous à cette magnifique cérémonie d'inauguration des travaux de la réhabilitation de la route Moroni-Funguni témoigne de votre engagement pour le développement durable de notre pays. Je voudrais également remercier son Excellence, le docteur Akaoumi Adesina, président de la Banque africaine de développement, lauréat 2024 du prix Obafemi Aolo pour le leadership. Ce prix vous a honoré, Monsieur le Président, en mars dernier à Lagos pour votre stratégie de Hike 5 qui consiste à éclairer et alimenter l'Afrique, à nourrir l'Afrique, à industrialiser l'Afrique,
à intégrer l'Afrique et à améliorer la qualité de vie des populations africaines et comoriennes en particulier. Votre participation à cet important événement en est une parfaite illustration de la solidité de la coopération entre nos pays, notre pays et la BAD d'une part, et d'autre part, l'amitié, la fraternité qui vous unit avec son excellence Azali Assoumani. Votre amitié avec le président n'est pas un hasard, car comme disait Voltaire, les grands hommes se rencontrent tous. Excellence, monsieur le chef de l'État, la route que nous inaugurons aujourd'hui donne aux préfectures de Bambao, Hambou et Fumbuni tout leur dynamisme, leur splendeur et leur charme. Notre ambition est de faire de ces régions la vitrine de la Grande Comore de demain. Ce tronçon routier est une opportunité pour donner l'envie d'y investir, de s'y installer et d'y grandir. Chers compatriotes et bénéficiaires directs de cette infrastructure, je sais que vous attendiez cette route depuis très longtemps. Le président en avait fait la promesse et il a tenu sa promesse. C'est donc pour moi un immense honneur d'être ici pour partager ce moment de joie avec son excellence le président de la République et l'ensemble des habitants de l'île de Ngazidja pour inaugurer cette route de 47 km. Cette infrastructure va redonner cette partie de l'île, son éclat et son rôle traditionnel de carrefour commercial et économique. Elle facilitera la connectivité entre la région de Mbadjini et l'île de Mweili. L'inauguration de cette route en Europe est certes un projet phare. C'est l'image d'un pays qui s'est engagé vers des solutions durables à la fois aux bénéfices concrets et immédiats des populations, mais aussi de l'agenda global du ministère de l'Aménagement voulu par le président de la République conformément au plan Comore émergent. Excellences, Monsieur le Président, ce projet constitue un résultat tangible du partenariat entre la Banque africaine de développement et notre pays. La BAD a financé ce projet pour aider les Comores à être. Je voudrais ainsi remercier la Banque africaine de développement dont le financement cumulé de 14 milliards de nos francs a permis de réaliser cette belle route en Europe durable, résiliente face au changement climatique. Nous serons toujours disposés d'en faire de nombreux de nouveaux projets à vos côtés dans le même esprit, celui de la responsabilité, celui du concret, celui de la lucidité, celui d'un engagement partagé pour l'avenir. Honorable assistance, plusieurs travaux de réhabilitation et d'entretien routier ont été réalisés à la Grande Comore en juin et Mweili. D'autres sont programmés au cours de cette nouvelle mandature intitulée le renouveau. Honorable assistance, avant de clore mon propos, je voudrais féliciter l'entreprise CGC qui a réalisé les travaux remarquables de cette route suivant les règles de l'art sous le contrôle du bureau du Sonsu. Je voudrais ensuite remercier le gouverneur de l'île de la Grande Comore et ses collaborateurs, aux populations des communes de Bambao, Hambou et Fumbuni, ainsi qu'aux organisateurs de cette belle cérémonie, particulièrement au directeur des cabinets du chef de l'État, M. Youssouf Ali Bellou. Mes remerciements s'adressent enfin au cadre du ministère de l'Aménagement du Territoire, à la direction générale des routes, à l'unité de gestion du projet, aux experts de la Banque africaine de développement pour leur appui et conseil, ainsi qu'à mes collaborateurs, tant au niveau national que régional, qui m'ont accompagné dans la réussite de ce rendez-vous, Inch'Allah, aux prochaines inaugurations avec le président de la République, Al-Imam Azali Assoumani et le docteur Akoumi Adesina. Vive l'Union des Comores dans l'unité, la paix et le développement. Vive la coopération internationale. Je vous remercie. Watukufu, tukujitukufu, wazazi, wababa, wakaturu kwezi. Garzao zikele kele kawanda nensi. Manangar parao ya mtukufu. Manzani muu, waira isi wada huu. Ikawa izorjo mambia, lilokaya, Adesina, Dr. Adesina, kasinansi ya paro ilala la kashirin nane. Lewa hata mani hopu ganoa, le muu haidaula. Yafanya zile la mengofu karna zili armenti ya hatu. Ijo jalama kawaida ya onesa omduga no ahe nera isu wa hitaula nezegyo nizani. Excellence,
Monsieur Docteur Akinwumi Adesina, tous les Comores, la population comorienne reconnaît votre amitié avec le président de l'Union des Comores et c'est que pour cela que vous avez manifesté l'intérêt de passer 72 heures dans notre pays. Et c'est un très remarquable qui reste dans les cœurs de tous les Comoriens. Excellence, merci de vouloir venir prendre les micros, s'il vous plaît, pour votre allocution qui marquera à nous et à jamais l'amitié qui vous unit avec le président de la République. Excellence, je vous en prie. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur Azali Assoumani. Excellence, Madame la Première Dame, ma chère sœur. Ab, Moustadroen Abdul, président de l'Assemblée nationale. Aïe, Grand Mufti de Comor. Monsieur Sheikh Salim Saïd Abdiman Mane, président de la Cour suprême. Monsieur le membre du gouvernement nouveau et sortant. Monsieur le grand notable Musée Mogni. Madame et Monsieur le gouverneur des îles. Monsieur l'ambassadeur de la Chine. Mesdames et Messieurs du corps diplomatique et représentants des institutions internationales, distingués Mesdames et Messieurs, Assalam alaikum, Wakomori Nganiyavo, Nganiyavo, Dio Gemma. Je suis ravi d'être à nouveau ici à Moroni. Je tiens à vous remercier, Monsieur le Président, mon cher frère et ami, pour votre amiable invitation à visiter le Comor. C'est toujours un immense plaisir d'être avec vous. Ma chère sœur, Madame la Première Dame, j'étais récemment ici à Moroni, le 26 mai, avec mon cher épouse, chère épouse, grâce pour votre investiture. Et félicitations, Monsieur le Président. Je voudrais donc saisir cette occasion pour vous féliciter une fois de plus pour votre brillante élection à la présidence de la Premier. Vous savez que dans les matchs de football, pour gagner, vous pouvez gagner directement ou bien vous gagnez par la pénalty. Directement. Et le président n'a pas fait la pénalty, il l'a fait au premier tour. Et c'est une grande marque de confiance de groupe comorien dans votre leadership. Je tiens à dire ici que le président Assali Assoumani est un grand dirigeant pour les peuples de Comores, un grand dirigeant pour l'Afrique. Je l'ai été personnellement témoin au cours de son mandat de président de l'Union africaine en 2023. Dès son entrée en fonction, il a mis toute son énergie en œuvre pour promouvoir l'Afrique, défendre l'Afrique et veiller à ce que l'Afrique soit toujours inscrite à l'ordre du jour des grands enjeux mondiaux. Et cet homme passionné de Comores s'est engagé sur la scène mondiale avec dynamisme, passion et détermination. Il a placé cette île de l'Union de Comores sur l'échiquier mondial. Je suis extrêmement fier de vous, Monsieur le Président.
dans chacun de nos rencontres, vous ne manquez jamais de mettre les besoins et les défis de Comore au premier plan. À l'aéroport de Paris, dans les avions, dans les halls de l'Union africaine, ou dans les réunions de G20 ou de G7, vous entendrez toujours le président Assali Assoumani parler avec passion de son pays, le Comore. Quand il m'a appelé au téléphone, c'est toujours la même chose. Il évoque des domaines qu'ils ont besoin de soutien continu du groupe de la Banque africaine de développement. Excellents messieurs, mesdames et messieurs, vous avez ici un président qui travaille avec son corps. Avec le développement qu'il faut. Et je suis dit, parce que je suis président de la Banque africaine de développement, mais je prends 3 casquettes aujourd'hui. Casquette président de la Banque africaine de développement, casquette de son frère et casquette de son ami. Excellences, mesdames et messieurs, le portefeuille du groupe de la Banque africaine de développement au Comore couvre actuellement 10 projets pour un montant total de 106,7 millions de dollars. Il porte essentiellement sur les projets du secteur des transports et de l'énergie, mais aussi de l'agriculture et d'autres domaines multisectoriels. Monsieur le Président, lorsque vous avez organisé la conférence de partenaires au développement de Comore à Paris en décembre 2019, la Banque africaine de développement a promis de fournir 150 millions de dollars pour soutenir le Comore. Les résultats de la Banque africaine de développement au Comore sont supérieurs à ce que nous avons promis. Depuis la réunion de Paris au Comore, la Banque africaine de développement a déjà approuvé des projets de 68 millions de dollars, et entre cette année et l'année prochaine, la Banque africaine de développement prévoit de fournir approximativement 183 millions de dollars supplémentaires à l'appui des projets transformateurs au Comore. Excellences, mesdames et messieurs, le document de stratégie pays de la Banque africaine de développement pour le Comore accorde la priorité aux infrastructures. Au cours de notre financement, nous soutenons le programme de réhabilitation du réseau routier PRRA que le groupe de la Banque africaine de développement a financé à l'auteur de 97,4 millions de dollars. Cet appui a été axé sur la remise en état des routes nationales, des investissements structurels dans les transports maritimes et aériens, les réformes du secteur public et le renforcement des capacités institutionnelles, ainsi que le développement de partenariats publics-privés. Ce soutien comprend la réhabilitation de la route nationale de RN2 qui est mise en service aujourd'hui. Je suis heureux de constater que 56% des routes relevant du programme de réhabilitation du réseau routier PRRR ont été réhabilitées, soit un total de 75,7 km. Excellences, mesdames et messieurs, les travaux de réhabilitation des routes financées par le groupe de la Banque africaine de développement comprennent, première, le tronçon Moroni Missouje 11 km sur la RN2, sur l'île de la Grande Comore, et le tronçon Sima Moya 26 km
sur la RN 24, 23, sur l'île en juin. Ces projets ont été achevés en décembre 2021. Deuxièmement, le tronçon Missougé Panda Ouroveni Fumboni, c'est bien ça? Oui, c'est ça. 38 km sur le RN2, sur l'île de la Grande Comore, qui a été achevé en juin 2024. Troisièmement, des travaux et activités de supervision sont en cours sur le tronçon Domoni Muremani, 14 km sur la route RN 21, sur l'île d'Ajouane et sur le tronçon Wala Nimachua, 7 km sur la RN 32 à Moheli. Et quatrièmement, des activités d'acquisition et de supervision se poursuivent sur le tronçon Isinkundi, Chezani, Galawa, 17 km sur la RN3, ainsi que le tronçon Bahani, JTI, Isinkundi, 20 km sur la RN4, sur l'île de Grande Comore. Excellences, mesdames et messieurs, je suis heureux de noter que la réflexion de la route Moroni-Fumboni, qui couvre 49,2 km et que nous mettons en service aujourd'hui, a été entièrement financée à l'auteur de 30 millions de dollars par le groupe de la Banque africaine de développement. On m'avait dit que cette route a été construite 1970 et que l'état c'était tellement mauvais. Et aujourd'hui c'est pas mauvais, c'est bon, non? Oui, oui, oui. Il faut applaudir votre président pour ça. Donc c'est une route qui apporte l'espoir avec la permission de monsieur le président. Moi je voudrais dire qu'on appelle cette route route de l'espoir. Cette route aura un impact considérable sur la vie de la population. Elle joue un rôle essentiel dans l'ouverture des zones à fort potentiel économique pour l'agriculture et, le tourisme. C'est la seule route d'accès aux villes touristiques très prisées d'Ouroveni et de Malé. D'ici en 2026, la réflexion de la route RN2 devrait permettre de réduire non seulement le trafic moyen journalier de 27%, mais aussi le coût d'exploitation de véhicules légers de 30%. Et ceux de véhicules de 33%. Elle permettra également de réduire de 50% la durée moyenne de trajet. L'impact de ce projet sera sans aucun doute remarquable. Outre le projet RN2 mis en œuvre aujourd'hui, la Banque africaine de développement également fera la réfection des routes RN3 et RN4. Une fois achevées, ces routes offriront ensemble une connectivité de transport plus efficace et ouvriront le meilleur perspective économique sur l'île de la Grande Comore. Excellences, mesdames et messieurs, l'amélioration de la connectivité est essentielle pour permettre aux Comores de participer efficacement aux chaînes de valeur régionales et mondiales, en particulier dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine et au regard de l'accession de Comores à l'Organisation mondiale de commerce. Quand j'étais là-bas, le président a dit à madame la première dame de venir à ma droite. Et quand elle est venue, j'étais en train de demander à la madame la première dame. Elle avait dit, devant moi, j'ai vu beaucoup de femmes. Et je peux vous dire quelque chose, ce sont les femmes qui dirigent l'Afrique. Hein? Et on m'avait dit que même ici au Congo, c'est les femmes qui dirigent les choses.
Donc, j'avais demandé son excellence, monsieur le président, avec son permission, pour vous annoncer donc que la Banque africaine de développement va commencer ici au Comores un programme pour l'autonomisation financière des femmes comoriennes. Nous avons un programme qui s'appelle AFAWA pour mobiliser 5 milliards de dollars pour les entreprises des femmes. Et ça marche déjà avec 169 institutions financières dans 35 pays. Ce soir, j'ai la joie de vous annoncer qu'on va commencer ça ici au Comores. Parce que quand les femmes gagnent, les commerces gagnent. Quand les femmes gagnent, les ménages gagnent. Quand les femmes gagnent, le commerce gagne. Et quand les femmes gagnent, l'Afrique gagne. Pour aider le Comores donc à atteindre une plus grande connectivité régionale, la Banque africaine de développement prévoit de présenter monsieur le président à son conseil d'administration le mois prochain, ce mois de juillet, un projet de 131 millions de dollars entièrement sous forme de dons. Ce financement est dédié à la remise en état et l'extension des ports de Moroni, l'extension des ports de Bouygoma, l'établissement des zones économiques et appui à la facilitation du commerce. Monsieur le Président, ce projet sera le plus grand projet jamais soutenu par la Banque africaine de développement dans l'histoire de son partenariat avec le Comores. Je voudrais donc conclure en retirant la volonté et l'engagement du groupe de la Banque africaine de développement à continuer à aider le Comores à atteindre les objectifs de son plan Comores Imagine 2030. Et pour terminer, Musée Mugni avait dit. Et dès qu'il avait fini, j'ai tourné vers le président. Il avait dit, monsieur le président, de ce que M. Mugni avait dit, c'est sur la santé. Je l'avais demandé quel est l'état de la santé ici. Il m'avait expliqué les choses. Il avait dit, monsieur le président, avec votre permission, j'étais vraiment impacté de ce que le M. Mugni avait dit. Et donc, je peux dire avec la permission du président que la Banque africaine de développement va commencer un programme sur la santé pour extensifier l'infrastructure de la santé primaire partout dans cette île de Comores. Excellences, mesdames et messieurs, vous pouvez compter sur la Banque africaine de développement. Monsieur le Président, mon cher frère et ami, vous pouvez compter sur moi en tant que votre ami, votre frère et votre partenaire. Félicitations encore pour ce grand jour qui marque la remise en service de la route nationale. Je vous demande d'avoir beaucoup de confiance à votre président. Moi, j'ai beaucoup de confiance en lui. Et vous pouvez compter sur nous. Longue vie, la coopération entre le Comores et la groupe de la Banque africaine de développement. Je vous remercie. Mahala, Malahaba, Benjé. Maraba menji ngarjo ziambabi iliri change machine holiho e machine rumiao yende na u de charge raduga yembaki nambaki tujuru nambaki tujuru en ligne harma yeseda en yembaki ni kami holiho rais wa daula ibidi ya rengi owoni discours ya ya babasa avo ngarjo beza rechange nambaki mti puze hata mti roe hata nambaki nambaki rivezeri change machine rivezeri je yemuwa daula harasa